Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour évoquer l'actualité du Mercato du Paris Saint-Germain. Alors malgré la signature de Rossellou au Real Madrid, le Real Madrid n'a pas vraiment compensé le départ de Karim Benzema. Le vide laissé par le français reste visible dans la première liste donnée par l'entraîneur Carlo Ancelotti pour la tournée de reprise aux États-Unis personne n'est dupe hein. malgré le discours euh, du président Florentino Pérez qui assurait que le Real Madrid ne recruterait pas d'autres attaquants après l'arrivée de Rosselloloup on se doute que la Maison Blanche quand même a d'autres plans l'attaquant prêté par l'espagnol Barcelone euh, n'a pas les épaules pour faire oublier et pallier le départ de Karim Benzema dernier ballon d'or 2023 en date alors il est évident que les merengues se tiennent à l'affût euh, du gros coup Kylian Mbappé, la tendance paraît d'autant plus claire après la publication de la première liste de Carlo Ancelotti. Pour la tournée estivale aux états unis l'entraîneur du Real Madrid a convoqué 25 joueurs, dont seulement 4 éléments dans la case numéro 9, dans la case attaquant, soit autant que le nombre de gardiens. Et encore, 3 des 4 attaquants cités, à savoir Vinicius Junior, Rodrigo et Brahim Diaz, n'ont pas le profil pour évoluer en pointe de l'attaque madrilène en numéro 9 de base, de, de taf. Seul Rossello semble capable de tenir ce rôle. On voit mal le coach italien et Florentino Perez passer la saison dans ces conditions sans vrai numéro 9 et sans remplaçant de taille à Karim Benzema. Le Real Madrid manque clairement d'un avant-centre de haut niveau et cette liste dévoilée n'a fait que conforter les observateurs euh, du foot mondial. A priori, l'heureux élu ne sera pas le buteur des Spurs Harry Kane, focalisé euh, sur le Bayern de Munich, ni Randall Colomoni, qui n'a pas les faveurs du Real Madrid et de son président et de son entraîneur. Euh, le vice-champion d'Espagne devrait plutôt attendre de voir euh, comment évoluera. La situation de Kylian Mbappé, pour rappel, l'attaquant du Paris Saint-Germain opposé à une prolongation de contrat qui expire en 2024, a reçu un ultimatum. Son président Nasser Al-Relaifi l'incite à prolonger ou à partir dès cet été. Dans la deuxième hypothèse, le Real Madrid se manifestera probablement, c'est sûr et certain. Harry Kane euh, n'ira pas au Real, Ozimen n'ira pas au Real, Erling Haaland n'ira pas au Real, Randall Colomani n'ira pas au Real. C'est impossible pour le Real Madrid de rester une année. Sans attaquant de pointe, sans remplaçant à Karim Benzema. Mbappé ne veut pas prolonger. Le Real Madrid est prêt à offrir au Paris Saint-Germain 120 millions d'euros et de payer les primes de fidélité à la place du Paris Saint-Germain. Ce serait une opération à 200 millions d'euros. Et Paris essaie de négocier divers bonus. Et Mbappé et son clan sont en train de négocier avec le Real Madrid pour augmenter le salaire. On sait très bien que Pérez va attaquer. Pérez va faire l'offre officielle, ça c'est sûr et certain. Maintenant c'est au Paris Saint-Germain de ne pas foirer. Et la stratégie très claire euh, du Real Madrid et celle du Paris Saint-Germain euh, sont très claires aussi. Et Ancelotti, on sait très bien que des choses lui ont été promises. On sait très bien que depuis plusieurs mois, la priorité était déjà un attaquant au Real Madrid. Sachant que Karim Benzema allait sur ses 35 ans. 36 ans au mois de décembre. Donc c'était sûr qu'il fallait déjà... Quelque chose de lourd. Il ne faut pas oublier que l'année prochaine, certes, il y a une clause libératoire de 150 millions d'euros pour Erling Haaland à Manchester City. Donc, c'est une, une possibilité aussi. Mais je ne pense pas que Mbappé partira gratuitement du Paris Saint-Germain. Il y aura une solution à l'amiable qui sera trouvée. Soit Mbappé sera au Real cet été, ou soit Mbappé prolongera au Paris Saint-Germain. Vu le salaire qu'il touche Mbappé à l'heure actuelle au Paris Saint-Germain, c'est dur de quitter le Paris Saint-Germain. Hein, parce que. Le Real lui propose seulement la moitié en salaire. Alors certes, si Mbappé décide de ne pas prolonger et de partir libre l'été prochain, il toucherait une prime à la signature exorbitante, mais en salaire, il toucherait moitié moins. Moi, pour moi, Mbappé c'est devenu un businessman et plus vraiment un footballeur, très clairement. Et je suis assez d'accord avec Leonardo quand il dit que tu ne peux pas réellement construire une équipe autour de lui. Moi, je pense que Paris doit repartir de zéro. Par... Paris a laissé partir Messi, Paris doit laisser partir Neymar et Mbappé et Verratti, etc. Tous les tocards qui ont un peu. Euh, pas Mbappé, hein. Mais tous les tocards qui ont un petit peu enfoncé le Paris Saint-Germain. Parce que Mbappé, quand même, ces dernières années, c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain et de loin. Sans Mbappé l'année dernière, tu n'es pas champion de France. Sans Mbappé il y a deux ans, tu n'es pas en Ligue des Champions. Sans Mbappé il y a plus de deux ans et demi, tu ne vas pas en demi-finale de Ligue des Champions. Ça c'est clair, c'est net et c'est précis. Mbappé est ton meilleur joueur depuis plusieurs années. Mais le comportement de Mbappé pose question sur le terrain et en dehors du terrain, surtout depuis plus d'un an maintenant, où il y a trop d'histoires autour de lui, où sa situation n'est pas claire et est très loin d'être claire. Ça c'est sûr et certain. Et à un moment donné, si Mbappé aime vraiment le Paris Saint-Germain, Mbappé doit dire devant la presse qu'est-ce qu'il veut réellement. Alors d'accord, on a compris qu'il ne veut pas prolonger. Mais il faut trouver quelque chose à l'amiable. Alors, d'accord, c'est un homme d'affaires. Le football, maintenant, c'est qu'une question d'argent. Mais voilà. Et à un moment donné, euh, il faut trouver vraiment euh, une solution. Et je pense que la solution du Real Madrid d'offrir au PSG 120 millions d'euros plus 80 millions de primes euh, de fidélité versées à Mbappé. Plutôt que ce soit le Paris Saint-Germain qu'il fasse, c'est plutôt une bonne chose. Mais il est impossible pour le Real Madrid de rester une saison. Après la saison qu'ils viennent de faire, ils ont perdu le titre en Espagne, ils ont été éliminés en demi-finale de Ligue des Champions. Et pour un club comme le Real Madrid, ce n'est pas possible. Très clairement. De rester comme ça sans numéro 9. Ça, c'est sûr et certain. Non seulement ils n'ont pas de 9, mais en plus. Au niveau des, des côtés, ça risque de poser problème. Parce que je pense que si Mbappé va au Real Madrid, est-ce qu'il jouera numéro 9 de pointe Ça, rien n'est sûr. Lui, il voudra jouer à gauche. Ça, c'est sûr et certain. Donc euh, voilà. Et ça pourrait poser aussi des problèmes au vestiaires. et ça pourrait bouffer la saison du Paris Saint-Germain. Parce qu'à l'heure on parle, le Paris Saint-Germain a énormément de blessés. On ne sait pas qui sera gardien numéro 1, vu que Luis Enrique veut un nouveau gardien. Euh, no Mendes, titulaire indiscutable à gauche, tout le temps blessé. Ses remplaçants ne sont pas à la hauteur que ce soit Kurzawa et Juan Bernat. Au milieu de terrain, ça reste très très faible. Au niveau de numéro 9, tu n'as aucun vraiment numéro 9 de base. Neymar est blessé. Kangin Lee va peut-être aller à la Coupe Asiatique. Donc il va falloir trouver une solution. Tu es très très loin d'avoir un effectif pour être compétitif à haut niveau en Ligue des Champions. Hein. Ça, je le, je, je le sais. Hein. Très clairement, il faut vraiment, pour moi, hein, 22 joueurs qui soient capables d'être titulaires. C'est ça qu'ils doivent faire. Donc d'accord, il y a encore le temps. Mais il va falloir quand même se presser. Très clairement, se presser. Et je pense que si Carlo Ancelotti aussi est resté, c'est qu'il a dû avoir quand même euh, certaines garanties. Parce qu'on a vu que la CELESAO, le Brésil, était prêt à engager Carlo Ancelotti dès cette saison. Que Carlo Ancelotti a refusé. Qu'il voulait aller jusqu'au bout de son contrat au Real Madrid. Donc je ne pense pas qu'un mec comme Perez, qui est peut-être l'homme d'affaires le plus influent du football... Real Madrid, le club le plus titré de l'histoire du foot, peut-être le club le plus populaire du monde, ça m'étonnerait qu'après la saison qu'ils viennent de faire, qui reste quand même honorable, qu'ils restent sans numéro 9, alors que leur dernier attaquant, Benzema, meilleur joueur du club, meilleur buteur du club, dernier ballon d'or en date, vient de partir. Ça paraît quand même assez irresponsable. Par contre, si le Real ne recrute personne et que le Real arrive à faire une saison de fou l'année prochaine, ça sera quand même assez incroyable. Mais là, pour moi, c'est impossible. Surtout que tous les autres numéros 9 sont bloqués, ou sinon que L'Oréal n'est pas intéressé. Voilà les postaux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles infos. Tchuss.